Je m'appelle William Verdier, j'ai 16 ans et je suis franco-coréen. Ma mère est coréenne et mon père est français. Bonjour, je m'appelle Asia Taïchenov. Ma mère est kazakh et mon père est turc et j'ai des origines différentes. Je m'appelle Lou Da Silva Le Guen. Ma mère est française et mon père est portugais. Bonjour, je m'appelle Omar Abou Malik, j'ai 15 ans, je suis en seconde, et je suis marocain algérien, ma mère est algérienne. Je m'appelle Pablo Laurent, mon père est français, ma mère est argentine. Donc bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je suis en première S1 et je suis libano-lituanien. Donc mon père il est libanais et ma mère elle est lituanienne. Pour les similitudes, il n'y en a aucune. Et pour les différences, il y en a une majeure, c'est surtout le travail. Les Coréens travaillent vraiment beaucoup plus que les Français. La différence qu'ils ont, c'est qu'il y a plus de personnes du côté de mon père, du côté portugais, donc les réunions de famille sont beaucoup plus nombreuses. Mais ce qui les lie, c'est on a des bons repas. En Algérie et au Maroc, il y a plusieurs différences, plusieurs points. Par exemple, une différence, la monnaie n'est pas pareille. Au Maroc, il y a le dirham, en Algérie, il y a le dinar. Ils s'habillent pas de la même façon. Et l'arabe parlé n'est pas vraiment pour le grand commun, donc ils partagent la même histoire, ils partagent la même culture arabe. Dans la même religion et l'islam. Les similitudes entre le Kazakhstan et la Turquie, c'est qu'ils proviennent de la même famille turquique. Mais les différences, c'est que les langues sont différentes, l'histoire est différente. Et l'URSS au Kazakhstan et en Turquie, il y a les Ottomans. Mais aussi les visages des personnes. Au Kazakhstan, la plupart des personnes ressemblent aux Asiates et en Turquie, ils ressemblent plus aux Arabes. La différence principale entre les deux pays et ainsi que des trucs en commun, c'est qu'en fait, déjà, le Liban et la Lituanie, ils sont autant patriotiques, ils sont vraiment patriotiques ils ont vécu des situations un peu compliquées dans le passé. Par exemple, la Lituanie était conquérie par l'URSS pour un moment, et après ils se sont libérés eux-mêmes quand ils ont vu que l'URSS se dissipait un peu. Aussi le Liban qui ont vécu des moments, des petites crises, des assassinations et tout ça. Je parle français parce que j'ai toujours parlé français avec mon père et je parle espagnol parce que ma mère m'a toujours parlé en espagnol. Étant donné que je parle avec mon père l'arabe, qui est mon père est marocain, avec ma mère le français, je parle mieux le dialecte marocain que je connais. Donc en fait, je sais parler libanais et lituanien également. Par contre, dans la maison, je parle arabe avec mon père et lituanien avec ma mère. Donc il y a beaucoup de combinaisons de langues chez moi. Je parle aussi anglais avec ma sœur. Et français ici à l'école. Je parle couramment les deux langues, mais je parle quand même beaucoup plus français, même à la maison ou à l'école, parce que je suis plutôt ancré dans le système français. Je parle le français, l'anglais, l'espagnol, le russe et le turc. Le russe provient de ma mère et le turc provient de mon père. Et le français, c'est leur langue commune. Je me sens française et portugaise, moitié-moitié. Je me considère autant français qu'argentin parce que j'ai toujours été dans des établissements français, dans le système éducatif français, mais je suis plus fier de ma nationalité argentine parce que j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup ma famille argentine, j'aime beaucoup l'ambiance là-bas et le langage espagnol. Je préfère parler espagnol que français. C'est la culture française qui m'imprègne le plus parce que depuis petit, je parle français le plus et je suis imprégné dans un système français. Ma culture préférée, c'est le turc, à cause de la cuisine turque qui est très bonne. La langue est plus belle et plus facile à apprendre. La culture et l'héritage turc il est beaucoup plus grand et plus vaste que l'héritage kazakh. Et vu que je n'ai pas de famille française, je ne peux pas être assisté. Donc ça m'a apporté d'apprendre une nouvelle langue, de savoir parler deux langues, de connaître deux cultures différentes et de connaître un autre continent. Ça m'apporte rien d'être métis, je me sens rien de différent. Être métis, ça m'apporte d'avoir de la famille un peu partout dans le monde, de la famille turque en Turquie et aussi au Canada, et de la famille kazakh au Kazakhstan, mais aussi dans les pays d'Europe. Et ça m'apporte d'avoir de connaître plus de langues, plus de familles. Et plus de connaissances. Et ça m'apporte juste d'autres couleurs, d'autres gens et d'autres paysages. Le métissage des cultures m'a permis de prendre les meilleurs des deux cultures. Pour la partie française, ça m'a permis de développer mon côté artistique. Et pour la partie coréenne, c'est plutôt le savoir-faire et le travail acharné.